Yo tout le monde, c'est Nichols pour une nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve pour les pronostics de la troisième journée de Ligue 1. Je m'excuse de ne pas avoir fait la deuxième journée de Ligue 1. Voilà. On va commencer par le samedi 24 août 2019 à 20h. Il y aura Amiens-Nantes. Pour moi, ce sera match nul car les deux équipes sont au même niveau et Nantes ont baissé de niveau et sont quasiment à le même équivalent d'Amiens. Mais Amiens, ils se sont améliorés. Mais il n'y a que deux journées, hein, voilà, on ne peut rien dire. Ensuite, à 20h encore, il y aura Angers-Metz. Pour moi, ce sera Metz qui a gagné. Hein, voilà, c'est en général les quatre premiers matchs, 5, c'est les petites équipes qui gagnent. Hein, voilà, pour moi, ce sera Metz qui vont gagner. Ensuite, à 20h, il y aura Brest-Reims. Brest-Reims, oui. Pour moi, ce sera Reims qui vont gagner. Hein, voilà. Ensuite, à 20h, il y aura Dijon-Bordeaux. Pour moi, ce sera Bordeaux, même s'ils ont perdu 3-1 contre Angers. Hein, voilà. Mais Dijon, c'est le même équivalent pour moi. C'est peut-être un petit peu plus fort, mais voilà. Ensuite, il y aura le dimanche 25 août 2019 à 15h, Monaco-Nîmes. Pour moi, ce sera match nul, car Monaco, ils sont 20e et 19e. Et les deux équipes sont pas top cette année, hein, voilà, même si le score, hein, voilà. À 17h, il y aura Strasbourg-Rennes. Pour moi, ce sera Rennes qui vont gagner, hein, voilà. Ensuite, il y aura 21h Paris-Toulouse. Pour moi, ce sera Paris qui vont gagner, même s'ils ont perdu contre Rennes 2-1, voilà. Pour moi, ce sera Paris qui vont gagner, hein, voilà. Ils ont perdu, mais voilà. Mais ils sont moins forts. Et Neymar, oui. Il tue Paris, hein, voilà, un petit peu. Je l'aime pas là. À Barcelone, il était bien, mais à Paris, je l'aime pas. J'aime mieux Mbappé. Ensuite, il y aura le mardi 27 août 2019 à 19h. Et pourquoi le mardi et pas les matchs le samedi et le dimanche? Beaucoup de matchs. Car il y a les qualifications d'UEFA Champions League et d'Europa League, hein, voilà. Du coup, le mardi 27 août 2019, à 19h, il y aura Montpellier-Lyon. Pour moi, ce sera Lyon qui vont gagner. Lyon, ils ont un sans faute pour l'instant. Et pour moi, ce sera Lyon qui vont gagner. Mais faut pas s'enflammer. Hein, voilà, il n'y a que deux journées. Hein, voilà. Ensuite, le mercredi 28 août 2019, à 19h, il y aura Lille-Saint-Étienne. Pour moi, ce sera Saint-Étienne qui vont gagner. Hein, voilà. À 21h, il y aura Nice-Marseille. Et pour moi, ce sera match nul. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Allez, ciao les potos.